Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue, c'est pas courant, au volant d'une Mercedes. Aujourd'hui je suis vraiment super content parce que je vais vous faire découvrir la Mercedes CLS 53 AMG 4MATIC Plus, une berline très particulière que j'adore depuis sa sortie. Et cet essai est possible grâce au groupe Mercedes GGE. Vraiment, je les remercie infiniment de m'avoir confié cette voiture pour l'après-midi pour qu'on puisse vous créer du contenu avec Pierre, qui est évidemment assis à côté de moi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la Mercedes CLS est un modèle que j'adore depuis sa sortie. Je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures, intérieures, son moteur, répondre à la question est-ce que ce moteur 53 est une vraie AMG ? Parce que moi, ça m'intrigue et j'ai toujours pas pu essayer ce moteur jusqu'à présent. Mais avant ça, je tiens à vous rappeler que cette voiture est à vendre. Voilà, je vous l'informe, Mercedes GGE nous l'a gentiment mis à disposition aujourd'hui. Donc cette voiture est à vendre et si jamais vous êtes intéressé par ce modèle en particulier, vous avez un formulaire dans la description et si vous le remplissez, vous serez recontacté par Mercedes GGE Cœur d'Yvelines dans le 78 très rapidement. Donc voilà, je vous le dis comme ça, n'hésitez pas si ça vous intéresse. La voiture est affichée au prix de 117 000 euros, elle est neuve, elle a 600 km à peine. On continue la vidéo, c'est parti. Me voici arrivé dans la concession du groupe GGE Mercedes-Benz Smart Cœur d'Yvelines dans le 78. Des locaux qui sont absolument magnifiques, entourés de tous ces nouveaux modèles Mercedes. Et je dois avouer que ça fait vraiment plaisir de pouvoir redécouvrir la gamme parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas pu approcher une Mercedes. Et si vous ne le saviez pas, avant même d'être fan de BMW, ce pourquoi je suis assez connu sur les réseaux sociaux, j'ai toujours été fan de Mercedes parce que j'ai commencé, on va dire, ma vie de passionné d'automobile dans une concession Mercedes. Avant de parler de la Mercedes CLS qui se trouve dans le fond, pensez à contacter Mercedes-Benz GGE via le formulaire qui se trouve dans la description si vous avez besoin d'informations ou si vous souhaitez acheter une Mercedes dans cette concession. Il y a notamment beaucoup d'hybrides, on sait qu'en ce moment fiscalement c'est très intéressant. Évidemment, pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important si vous voulez que je fasse plus de Mercedes AMG comme ce CLS 53 AMG 4MATIC Plus. Et avant de vous la présenter en détail, je vais d'abord vous parler de l'histoire de la Mercedes CLS puisque c'est une voiture pionnière du concept de berline grand coupé. Présentée en 2004, la Mercedes CLS est, comme je vous l'ai dit, une pionnière dans l'industrie automobile puisqu'elle a préfiguré le concept de grand coupé 4 portes. Alors grand coupé 4 portes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une berline aux lignes très fluides et surtout avec des vitres latérales sans montant. Lorsque la voiture est sortie en 2004, elle a vraiment fait un effet waouh dans l'industrie automobile. La voiture qui se trouve derrière moi est la troisième génération de Mercedes CLS. Et si on regarde juste les chiffres de vente des deux premières générations, plus de 375 000 personnes ont acquis une Mercedes CLS et cela comprend la fameuse CLS Shooting Brake qui était une version break de chasse absolument magnifique qui a été introduite notamment sur la deuxième version. Il y avait d'ailleurs une version moi qui me plaisait particulièrement, c'était la Mercedes CLS 63 AMG en version Shooting Brake, un break de 585 chevaux tout simplement avec l'option qui était absolument géniale d'avoir le solde coffre en tech, c'est-à-dire en bois. C'était absolument magnifique, je vous mets une image à l'écran. Évidemment, la Mercedes CLS est une voiture de luxe, comme l'atteste le prix moyen
des 375 000 premiers exemplaires vendus lors des deux premières générations, qui est de 82 000 euros, c'est quand même impressionnant. Et cette version, la Mercedes CLS 53 AMG 4MATIC Plus, commence à partir de 100 000 euros et notre modèle d'essai est affiché au prix de 117 000 euros. Alors c'est un prix qui peut paraître très important, mais si on le met face à la concurrence, par exemple la Porsche Panamera 4S qui développe à peu près la même puissance, elle coûte 120 000 euros prix de base. Si on regarde la série 8 Grand Coupé en version 850i, on est également autour des 100 000 euros avec pour le coup un peu plus de puissance et un V8. Et si on regarde l'Audi S7 qui pour le coup est un diesel, on est là autour de 95 000 euros. Donc la voiture se place au milieu de cette concurrence. Mais selon moi, elle a des atouts vraiment très particuliers. Ce qu'il est très important de comprendre avant que je vous explique toutes les caractéristiques techniques de cette Mercedes CLS 53 AMG, c'est qu'elle ne remplace pas ou qu'elle n'est pas remplacée par l'AMG GT 4 portes. En effet, on pourrait croire que les deux modèles se marchent un petit peu dessus, mais c'est bien deux modèles complètement différents. La CLS 53 AMG est une voiture de série préparée par AMG, alors que l'AMG GT 4 portes, que ce soit dans sa version 43MG, 53MG ou 63SAMG, est une voiture entièrement conçue et développée par AMG. Donc ce sont deux produits différents. Là, on va avoir la polyvalence avec de la sportivité. Et sur l'AMG GT 4 portes, qui va être légèrement plus cher en prix de base, à partir de 120 000 euros avec le moteur 43MG, on va avoir une voiture vraiment encore plus dynamique avec le véritable esprit AMG. Mais pour autant, cette voiture, elle a quand même pas mal de choses d'AMG, notamment au niveau de la préparation technique, que ce soit le freinage, le moteur, l'échappement, les trains roulants. Elle a énormément de caractéristiques d'une vraie AMG. Pour comprendre la dénomination 53MG, parce que c'est vrai qu'on pourrait s'y perdre un peu, il faut que je vous parle de ce moteur. Ce moteur, c'est un nouveau 6 cylindres en ligne qui développe, hop là, 435 chevaux, un 6 cylindres en ligne turbo avec une technologie twin scroll. Et cette voiture est aidée par une micro-hybridation qui se situe entre le moteur et la boîte de vitesse de 48 volts qui va récupérer de l'énergie pour apporter de la douceur dans le comportement, donc qui va compenser le lag du turbo par exemple à faible vitesse ou encore aider la voiture à redémarrer avec le système start and stop. Ce système de micro-hybridation appelé EQ Boost ajoute 22 chevaux et environ 220 Nm de couple. Alors évidemment ce n'est pas permanent, ça va vraiment être sur les relances ou sur les accélérations à partir de basse vitesse. Les performances de la voiture sont assez impressionnantes pour une voiture qui n'est pas complètement une AMG. Le 0 à 100 km/h est effectué en 4 secondes 5 et grâce à l'AMG Drivers Package, la vitesse maximum de la voiture est repoussée de 250 km/h à 280 km/h. Toute cette puissance est transmise aux 4 roues via le système 4MATIC Plus et bien sûr une boîte automatique à double embrayage à 9 rapports AMG Speed Shift. Ce moteur n'est pas construit à la main, donc il n'a pas la petite plaque. En revanche, tout comme les moteurs 35, 45 et 43, il est bien produit dans les usines d'Affalterbach à côté des moteurs 63MG, sauf qu'il est produit de façon industrielle, il n'est pas monté à la main. On va se concentrer maintenant sur les détails esthétiques qui différencient cette Mercedes CLS 53 AMG d'une Mercedes CLS classique. Alors déjà, vous le voyez au niveau de la face avant, déjà la couleur gris sélénite Magno, une peinture qui lui va super bien. Attention à l'entretien par contre, parce qu'on sait très bien que les peintures mates, voilà, ça supporte mal les rayures et les petits chocs de la vie du quotidien. Mais on a à l'avant cette double barre, caractéristique des AMG, avec ici le badge AMG, un spoiler avant légèrement plus proéminent et des entrées d'air sur les côtés qui la rendent vraiment agressive tout en étant très élégante. On a évidemment le système de feu multibeam LED qui peut éclairer jusqu'à 800 mètres. Donc vraiment, vous transformez la nuit en jour tout simplement. Pour continuer sur l'esthétique, après on va parler technique parce que AMG, c'est pas que de l'esthétique, croyez-moi. On a ici en option des jantes 20 pouces avec des pneus Pirelli P0 en 245 par 35 en 20 pouces donc. Ces jantes biton, je les trouve magnifiques. Et derrière, on a un système, là encore, amélioré par AMG avec des disques ventilés percés de 370 mm à l'avant. Le badging AMG ici. Mais là où ça se joue vraiment, je vous ai déjà parlé du moteur qui est préparé par AMG, c'est au niveau des suspensions. La voiture est équipée de suspensions pneumatiques à multichambre qui permettent de régler sur trois niveaux différents la dureté des amortisseurs. Et comparé à une version CLS de base, Mercedes a changé les cylindres blocs et mis légèrement plus de carrossage sur ce modèle pour qu'il soit encore plus sportif, que la caisse soit encore plus maintenue. Et pour venir s'ajouter à cela, on a un système AMG Ride Control qui gère l'assiette de la voiture pour qu'elle soit le plus stable possible dans les virages. Donc vraiment, le badge AMG, même quand c'est sur un 43 ou sur un 53,
c'est pas que du blabla. Ce badge Turbo 4matic Plus placé sur l'aile désigne pour le turbo la façon dont est compressé le moteur, on va dire. Et 4matic Plus, c'est le système 4 roues motrices permanent dont est équipée cette voiture de série. Alors il ne faut pas confondre avec le système comme sur les E63 AMG par exemple, ou GT 4 portes AMG, où on peut désactiver complètement le train avant motrice. Là, c'est une 4 roues motrices permanente, mais en fonction des modes de conduite, la voiture peut intelligemment gérer le couple entre l'essieu avant et l'essieu arrière. De base, la voiture est réglée en 30% du couple et de la puissance sur l'avant et 70% sur l'arrière, mais ça peut passer en 50-50, ça peut même être complètement inversé, en passant en 70% à l'avant, 30% à l'arrière, ou même en 100% sur l'arrière, selon votre conduite, selon les pertes d'adhérence de la voiture. Donc c'est pas complètement une propulsion, mais je pense qu'il y a de quoi jouer. Avant de s'installer dans ce nouveau CLS, il est important de noter que la voiture a été rallongée de 51 mm par rapport à la version précédente. Elle mesure désormais 5 mètres et surtout, le plus important, l'empattement de la voiture a été allongé de plus de 60 mm pour favoriser forcément l'espace à l'intérieur. C'est vrai qu'avec cette ligne de toit très fuyante, ça a pu être un problème sur les générations précédentes. Je vous l'ai dit, ça faisait longtemps que j'avais pas découvert à l'intérieur d'une Mercedes et la gamme Mercedes et j'ai pris une vraie claque. Parce que l'intérieur est juste somptueux. On a déjà ces inserts en frêne sur le côté là et qui courent tout le long la console centrale, c'est incroyable. Tous les boutons sont en aluminium. J'adore le réglage des sièges qui est sur les portes. Je trouve ça jamais pratique d'aller chercher sur le côté du siège les réglages. On a la sono Burmeister dans cette voiture et on a bien sûr le pack intérieur AMG Line avec le cuir noir et les surpiqûres contrastantes en rouge qu'on retrouve notamment sur les ceintures et sur l'instrumentation. Quel intérieur! Je veux dire que c'est vraiment bluffant. La qualité des matériaux, la qualité de la finition est vraiment fantastique. Alors dans cette voiture, on a le pack Premium Plus qui comprend notamment les deux grands écrans qui sont très lisibles. On peut les contrôler, alors l'écran de devant à partir de la molette tactile qu'il y a à gauche sur le volant et l'écran de droite à partir de la même molette tactile qui est disponible à droite du volant. Ce volant AMG là, il est juste magnifique avec le marquage à midi en rouge. C'est un vrai volant de voiture de sport. Et si j'appuie ici sur le bouton Start Engine Stop, qui ressemble à une turbine, c'est absolument magnifique, le volant se baisse. Les sièges sont évidemment réglables dans toutes les positions possibles et imaginables. Ils sont en cuir perforé sur la bande centrale avec de l'alcantara. On peut même régler la hauteur de l'appui-tête. Enfin, on peut régler le siège en fait dans tous les sens grâce au petit panneau qui est sur le côté. Il y a évidemment trois réglages de mémoire et les sièges sont chauffants, ventilés. Je reviens sur ce volant, on a ici la petite molette pour changer les modes de conduite, directement accessible à partir du volant. En fait, on peut tout gérer à partir du volant dans cette voiture. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose qui est vraiment agréable. Cet écran n'est pas tactile, mais là encore, je le redis, moi je préfère les écrans qui ne sont pas tactiles, ça ne met pas de traces de doigts. Et là, on peut absolument tout gérer à partir des boutons ici, c'est très intuitif, ça fonctionne bien. On peut changer les affichages de l'écran de devant, pareil sur l'écran de droite. Et au niveau de la console centrale, on a ici un petit rangement avec deux portes gobelets, un espace pour ranger son téléphone et une prise USB pour l'Apple CarPlay notamment. Cette voiture est équipée de l'Apple CarPlay. Le petit rétroviseur là sans bord, c'est super sympa. Tout ouvrant. Et bien sûr, cet espace central, très simple, pas trop de boutons, ça encore j'adore. Avec l'espace ici, la petite molette pour changer les modes de conduite, on peut aussi accéder ici. Pour la mettre en mode manuel, pour régler les suspensions sur trois niveaux différents. Le SP off, là pour régler le volume, mais on peut aussi le faire ici. Le bouton de l'échappement, ça fait aussi partie de la préparation AMG cette voiture. On a un échappement AMG Performance qui fait un son vraiment étonnant. Et voilà, mais en fait, tout est réglable à partir d'ici, à part évidemment le système de climatisation. On a ici une petite boîte à gants assez profonde, enfin une boîte centrale, avec deux prises USB. Donc on a trois prises USB en tout, plus un rangement pour une carte SD. Les sièges sont magnifiques. Ce qui est assez étonnant dans cette berline, c'est qu'elle a beau être très longue, le ciel de toit est vraiment très très bas. Et donc on se sent un peu dans une voiture de sport. Pareil, là, ces détails, les turbines, les petites lumières qui sont paramétrables sur plein de couleurs différentes. Je trouve que c'est un intérieur qui est incroyablement luxueux et très exotique en termes de design. C'est fluide, il y a des beaux matériaux partout. Ça me fait trop plaisir de revenir dans une Mercedes, surtout avec cette finition AMG. Là, c'est beau, c'est canon, on a envie de faire de la route dedans, quoi. Et surtout, juste en termes d'ambiance, sans avoir démarré la voiture, ça invite vraiment au sport. La partie qui fait peur avec cette ligne de toit fuyante, c'est forcément les places arrière. Mais on va le tester en direct. Je ne me suis pas encore assis à l'arrière. Alors, je mesure 1m91, au cas où vous ne le saviez pas. Et, alors c'est marrant, les sièges sont assez creusés. On a presque une forme un peu de baquet au niveau de l'assise. Et ben, je suis plutôt à l'aise. Hein. L'espace aux jambes est bon. Ici, il y a un petit panneau d'instrumentation pour régler la climatisation. Avec toujours les mêmes petits aérateurs là, que je trouve magnifiques, les petites turbines.
Franchement, je me vois bien faire un long trajet à l'arrière. C'est confortable, les sièges sont assez moelleux. La CLS, ça a toujours été une 4 places. L'espace central dans cette troisième génération a été légèrement élargi, mais n'espérez quand même pas y faire de long trajet, je pense. Ouais, non, parce que là, pour le coup, c'est un peu moins confortable. Mais bon, pour dépanner ou pour un enfant, ça peut toujours servir. On a évidemment les fixations ISOFIX hein, pour le siège bébé. Moi, ça me concerne pas, mais ça peut vous concerner. Mon point de vue préféré sur le CLS, ça a toujours été le 3 quarts arrière. Je trouve que cette ligne de toit fuyante est juste magnifique. Regardez ici, c'est si fluide. On va parler des petits détails AMG juste après. Alors, vous avez vu sur cette voiture, en plus de la peinture Designo Selenite Grey, on a évidemment le pack black qui entoure les vitres. On a les bas de caisse AMG qui sont légèrement plus proéminents. À l'arrière, on a des jantes toujours en 20 pouces avec ce Diamond Cut là en 2x5 branches, en 275 mm de large par 30 par 20 pouces, avec à l'arrière des disques ventilés de 350 mm. Mais ma partie préférée, je vous l'ai dit, c'est l'arrière. Là encore, on a ces designs de feu qui sont juste sublimes. C'est incroyable, les détails qu'il y a, on dirait que c'est des cristaux. On a évidemment le béquet qui vient terminer sportivement la ligne de toit, là c'est juste magnifique. Le badge AMG et bien sûr les 4 sorties d'échappement. Je vous ai dit qu'AMG travaillait sur ces voitures au niveau de plusieurs points. Le châssis, le moteur, l'esthétique et bien sûr la ligne d'échappement. On a donc 4 sorties d'échappement, 2 de part et d'autre avec un diffuseur ici légèrement marqué. Et c'est assez étonnant, mais vous allez le voir, ce moteur fait un super bruit. Ça, c'est vraiment génial. Et on a évidemment le badge CLS 53 AMG ici. Et pour ouvrir le coffre, on appuie sur le bouton ici. Ça s'ouvre automatiquement et on a 490 litres d'espace de chargement avec évidemment une malle de coffre électrique. On est quand même dans une voiture de luxe, c'est le minimum. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'en prendre le volant pour voir ce que ça donne en conduite, tout simplement. La Mercedes CLS est avant tout une voiture de luxe dont je commence cette vidéo en mode confort. Afin de m'imprégner un peu de l'ambiance d'une Mercedes, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas conduit une, c'est incroyable. Immédiatement, lorsqu'on se retrouve à l'intérieur de la CLS, je vous l'ai dit, c'est un intérieur vraiment luxueux. C'est super gratifiant d'être dans cette voiture, il y a tellement de matériaux différents. Je dois avouer que j'aime vraiment la sensation que j'ai derrière ce volant. Les sièges sont très confortables, alors on peut régler la position basique, on va dire, du siège au niveau de la porte. Et après, pour tout ce qui est réglage de lombaire, support latéraux, on va aller chercher un petit peu dans les menus. On peut tout gérer à partir des petites molettes tactiles qu'il y a de part et d'autre du volant. Et ça, c'est assez sympa. On peut gérer différents affichages sur le tableau de bord qui est en face de moi, sur l'écran digital. C'est très lisible, il y a beaucoup d'informations. Mais c'est vraiment sympa et là encore on sent dans une voiture assez technologique. Ça c'est quelque chose que j'aime bien. Vu qu'il y a un badge AMG, je pensais que j'allais quand même me retrouver avec quelque chose d'assez raide en suspension. Je me rappelle de la Mercedes E63S AMG. C'était pas la voiture la plus confortable du monde. Là on a un confort de roulement qui est vraiment vraiment agréable. En plus des sièges qui sont tout souples. C'est amusant parce que j'ai les côtés des sièges qui se gonflent dans les virages pour bien me maintenir dans le siège tout simplement. Je vous l'ai dit, on a ce système qui garde l'assiette de la voiture le plus droit possible, ce qui fait que la voiture vire très à plat dans les virages. Là on est vraiment sur un rythme cool, mais il n'y a aucun doute, cette voiture elle vous emmènera à travers la France, elle vous permettra de faire énormément de kilomètres, ça c'est une certitude. J'aime particulièrement le fait que les aides à la conduite soient directement déconnectables à partir des boutons sur le côté. La voiture sait être une voiture de luxe et ça j'avoue que c'est vraiment confortable et on n'a pas ce côté bateau qu'on peut parfois retrouver chez Mercedes, où dans les virages, la voiture va être assez pataude. Maintenant, forcément, il y a un badge AMG, on va aller regarder ce que ça donne. Je passe en mode sport. Alors là, ça s'affiche. On a ici le panneau qui change. Directement la boîte rétrograde, la boîte 9G Tronic, 9 rapports. En mode sport, les suspensions AMG Ride Control Plus, les suspensions pneumatiques, sont au deuxième niveau de fermeté. Mais la voiture reste quand même vraiment très confortable. Quelque chose qui me surprend un petit peu, c'est que je trouve qu'on a beaucoup de bruit de roulement et de bruit d'air à l'intérieur de la voiture. Alors c'est pas flagrant, mais je m'attendais à ce que ça soit un tout petit peu plus silencieux. La direction gagne un peu en précision. Je pense que le mode sport sur cette voiture, c'est vraiment le mode parfait qui permet d'enchaîner dynamisme tout en gardant un certain niveau de confort. En mode sport, on va avoir forcément plus de réponses à l'accélérateur, on va rester plus bas dans les vitesses. En revanche, l'échappement AMG Performance n'est pas allumé. On peut le faire en appuyant sur le petit bouton. Échappement en mode powerful, en mode puissant, c'est plutôt cool. Donc là, on va voir, effectivement,
effectivement on a beaucoup plus de son. Et là où ça devient vraiment intéressant, et c'est là où la voiture devient pour le coup une vraie AMG, elle a une vraie double personnalité cette voiture, et c'est vraiment ce que j'aime. Elle sait être parfaitement luxueuse, mais si je passe en Sport Plus, vous l'avez entendu, ça rétrograde immédiatement et on a directement beaucoup plus de son. Et ce qu'on va faire, je vais la mettre en mode manuel. Et là, vous l'entendez, il y a immédiatement beaucoup, beaucoup plus de son. Et c'est une sonorité qui est super plaisante, je veux dire. Vraiment très agréable, assez rauque, assez métallique. Ça fait un peu penser à la sonorité des moteurs 43 AMG. On a des grosses explosions à l'échappement à chaque fois que qu'on passe un rapport et surtout qu'on rétrograde. Et je veux dire que ça marche vraiment, vraiment bien. Alors en termes de châssis, évidemment, ça reste une voiture qui fait 5 mètres et 2 tonnes. Contrairement à la MG GT 4 portes, on n'a pas de roue arrière directrice sur cette voiture. Mais elle se laisse quand même assez bien emmener. Je trouve que le châssis est plutôt sain. Alors ça manque un petit peu, on va dire, de vivacité dans le train avant lorsqu'on l'inscrit dans des virages serrés. Mais sur un rythme fluide assez sportif, la voiture reste très très stable. Et ça, j'avoue que c'est vraiment une performance quand on regarde le gabarit de l'auto. La direction est vraiment précise, j'adore la prise en main de ce volant, il est vraiment génial, il est très très agréable. Et surtout avec le couple électrique instantané EQ Boost, eh ben on a quand même une réponse à l'accélérateur qui est proche d'un atmosphérique. Ah écoutez, j'ai baissé un peu les vitres, on va écouter la sonorité. Ouais, il y a du couple, hein. Wow. Ouais, ça marche une tonne, c'est super coupleux et la sonorité est vraiment géniale. Allez, on la met dans un virage. On sent un peu le poids, mais ça reste grippé, hein. Et on sent à la réaccélération qu'on a le train avant qui tire toute la voiture, mais le train arrière qui a envie d'un peu de mobilité quand même. Oh, ça fait vraiment une super sonorité. J'avoue que ça c'est assez bluffant. Allez, on inscrit la voiture. En fait, on sent vraiment qu'il y a... En fait, on sent vraiment qu'il y a du poids lorsqu'on passe la corde du virage, où on sent que l'avant est un petit peu écarté de la trajectoire. Mais c'est là où, effectivement, la différence vraiment en termes de châssis se fera si vous choisissez une AMG GT 63S, où on retrouvera un train avant peut-être beaucoup plus incisif. Mais ce qui est certain, c'est que cette voiture, elle a des vraies qualités dynamiques. Et c'est amusant parce que j'arrivais pas vraiment à savoir si on pourrait retrouver ce côté AMG tout en gardant ce côté juste CLS. Et la voiture, elle fait parfaitement le pont entre une AMG E63 et une Classe S, parce qu'on retrouve un confort fantastique et des sacrées performances, sachant que pour la route c'est déjà largement suffisant, sans avoir non plus l'exubérance, on va dire, AMG, parce qu'une AMG en termes de bruit, en termes de suspension au quotidien, faut vivre avec. Là vous avez le meilleur des deux mondes. Et franchement je suis assez bluffé, je trouve que c'est un produit qui est super réussi. Au niveau du moteur, en mode confort, au quotidien, en ville, c'est super coupleux. Le petit EQ Boost, il a une fonction moi qui m'amuse énormément, c'est que le start and stop est d'une douceur incroyable. C'est toujours quelque chose que je déteste sur les start and stop, c'est quand ça redémarre le moteur et que tout vibre. Là, la voiture, elle se réveille, on l'entend à peine, on s'en rend à peine compte, c'est vraiment très particulier. En termes de moteur, que ce soit en utilisation confort ou en utilisation sportive, la voiture saura vraiment vous donner exactement ce que vous attendez et ça donne énormément de caractère à ce grand coupé 4 portes luxueux. Je trouve ça vraiment super sympa. Au niveau de la boîte de vitesse, si je la laisse en mode automatique et que je la mets en mode confort, on a une boîte très souple, on sent absolument pas les passages de rapport, que ce soit en montée en rapport ou en descente de rapport.
La voiture s'est parfaitement gérée, on a toujours du couple, ça c'est vraiment super agréable. Et si on met la boîte en mode séquentiel en appuyant sur le bouton manuel et qu'on est en sport ou en sport plus, elle réagit bien. Alors elle sera un peu plus réticente à rétrograder, on va dire, haut dans les tours. En revanche, pour ce qui est des passages de rapport, vous voyez, c'est parfaitement réactif. Maintenant, on peut répondre à la question, est-ce que cette voiture est vraiment un produit AMG ou est-ce que c'est juste du marketing ? Honnêtement, je m'attendais pas à dire ça, mais ça se rapproche pas mal d'une vraie AMG. Évidemment, en termes de châssis, on va sentir la différence parce que là, c'est dynamique, mais si vous lui en demandez trop, ça reste une grosse voiture. Voilà, ça reste une grosse voiture typée confort, donc on peut pas demander à un éléphant de faire des ballerines. Et en mode sport plus, eh ben, ça a vraiment, vraiment du caractère. Effectivement, vous allez sentir la vraie différence AMG lorsque vous allez passer sur une AMG GT 4 portes, notamment au niveau du châssis. Ça va être encore plus incisif, ça va être encore plus stable. Mais franchement, c'est plus que bluffant et la voiture accepte très très bien un rythme assez dynamique. Et c'est super plaisant à conduire, ça c'est le plus important. Est-ce que je prends du plaisir au volant de cette voiture? La réponse est oui. Et je vous le dis d'expérience, ça n'a pas toujours été le cas au volant des Mercedes, parce que c'est des voitures qui sont vraiment typées confort, souplesse. Moi, je vais bien aimer le côté assez incisif d'une BMW M, même de série. Du coup, je dirais pas que c'est complètement une AMG, mais plutôt que c'est une 3 quarts AMG. Et les vrais produits AMG, que ce soit C63, E63, GT63S, ça reste des produits qui sont quand même vraiment dans la brutalité. Là, on est plus sur la brute canapé, on va dire. Mais ça reste un véhicule super plaisant à conduire. Et franchement, que ce soit au niveau de la ligne extérieure, de la technologie à l'intérieur, du châssis, du moteur, je trouve que c'est très homogène. Et c'est une voiture qui est quand même super désirable. Je remercie vraiment la concession Mercedes-Benz et Smart Cœur d'Yvelines dans le 78 du groupe GGE pour nous avoir mis à disposition cette voiture aujourd'hui. C'est une super découverte. Et je dois dire que comme c'est un modèle, moi, que j'apprécie depuis très longtemps, comme je vous l'ai dit, depuis la CLS 63 AMG Shooting Brake, là, c'est vraiment une de mes voitures préférées. Et ben, je suis content de retrouver de l'âme AMG dans ce véhicule que j'adore, la Mercedes CLS. Et aujourd'hui, ben voilà, elle correspond encore aux attentes que j'avais de cette voiture. On retrouve une ligne extérieure que je trouve toujours aussi fantastique. On a du caractère moteur, on a un bon châssis, un intérieur qui est vraiment au niveau de toute la concurrence, de la technologie, pareil, qui a pas à rougir face aux autres allemandes. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu de découvrir cette voiture et je vous dis à très vite sur The Glove Driver pour d'autres essais, j'espère, de Mercedes AMG parce que, comme je vous le disais, ça fait longtemps que j'en ai pas essayé et ça me manque un petit peu. À très vite, ciao.